Monsieur, bonsoir. 15h49. Attends, je vous rappelle simplement que ce sont quatre terroristes, sans doute des Arabes, qui ont pris le contrôle de l'appareil au décollage de Vienne. Qui n'avait fait que quatre ou cinq pirates de l'air, ce détournement d'avion à l'ouverture de la conférence internationale. Je veux dire que ces relations sont effectivement assez mauvaises. Un simulacre d'exécution. La presse, avec le feu vert des autorités iraniennes, est autorisée à filmer l'événement destiné à montrer au monde que le commando ne plaisante pas. Mesdames et messieurs, mon nom est Abdul Rafai. Je suis combattant de la révolution pour un nouveau monde. Nous avons déclaré la guerre aux impérialistes américains, aux sionistes et à toutes les puissances antisocialistes. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, cette jeune femme est enceinte. Silence ! Non, pas encore, ça ne peut pas recommencer. Non, pas encore. D'après une information du département d'État, un appareil de la compagnie aérienne ATV aurait été détourné pendant le vol Athènes-New York de Yarmouth. Nous attendons des informations complémentaires. Le président a décidé d'envoyer un commando de Delta Force en Méditerranée. À nous d'organiser l'opération et de faire en sorte qu'elle réussisse. Il était temps que tu t'amènes. J'avais peur d'être obligé d'utiliser ça. Qu'est-ce que c'est ? Un ordre du président qui t'oblige à reprendre du service. Non ! C'est encore la guerre ! C'est toujours la guerre ! Et les camps de concentration ! Pourquoi vous ne faites rien ? Tu restes avec nous. Chérie, va revenir. Calme-toi. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'atterrir ? Ma réponse est catégorique, c'est non ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Est-ce que tu veux les...